Les gens sont épuisés, ils ont des cernes jusqu'aux genoux pour beaucoup d'entre eux. L'adrénaline, elle est là, l'obligation de résultat est là. Donc on se donne à fond et on espère tenir jusqu'au dernier jour. Les gens sont très rassurés. Ils ont l'impression d'avoir un capitaine à bord. À partir de maintenant, on rentre sur le format Indaba. C'est un format inventé par les Sud-Africains, les ministres à la table, et ils vont discuter toute la nuit, pratiquement jusqu'à l'épuisement, ou en tout cas jusqu'à trouver les compromis qu'on va leur proposer pour avoir des formulations à un nouveau texte demain. La nuit a été très courte, le ministre a très peu dormi, mais il est resté ici. Et là, il a déjà un visiteur depuis 8h moins le quart et les autres arrivent. Nicolas, qu'est-ce qu'il y a ? Il nous permet de tenir. L'amour. L'amour de la planète ? Non, l'amour. Bon. C'est vrai que j'ai toujours considéré que l'amour, c'était la plus renouvelable des énergies. On a vraiment une occasion là que l'humanité se retrouve et embarque sur un même bateau pour faire ce que j'appelle un voyage en humanité. C'est un peu du rêve. Si on ne garde pas une part de rêve, moi, c'est ce qui me tient aussi.